Depuis 10 ans, Alfortville vit au rythme de cette exposition de livres, Armin Livre, considérée comme l'une des rares manifestations littéraires arméniennes en France. 10 éditions durant lesquelles 1 millier de titres sont exposés, mis en vente, et cette année, Armin Livre sera lancé le 4 mars et le 4 mars prochain pour 4 journées complètes, intéressantes, pleines, on me dit 5 journées. Évidemment, c'est du 4 au 8, donc j'ai mal calculé. Et nous allons parler et consacrer ce Culture Tube, car nous voulons donner de l'importance à cette manifestation, car on parle de livres, et sachant que depuis des décennies, nous avons souffert de manque de livres dédiés à l'Arménie, à la littérature, que ce soit en langue arménienne ou française, voire turque ou autre, parce que cette exposition nous montrera qu'il y a plusieurs langues qui seront mises à l'honneur, mais en tout cas, différents livres, différentes sources de livres seront présentées, dont le turc également. Donc voilà la raison de ce Culture Tube. Surtout que nous mettons à l'honneur, vous mettez à l'honneur cette année, 3 nous mettons, puisque IPFM est partenaire. Et IPFM est partenaire, donc Joseph Franceschi, député maire d'Alfortville, né en 1924, décédé en 88. René Rouquet, député du Val-de-Marne, maire honoraire d'Alfortville. Et Luc Arounas, sénateur maire d'Alfortville. Et René Rouquet est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Hasmik Kevonian et Sossi Agopian, directrice et responsable de la Maison de la Culture Arménienne d'Alfortville. Et nous serons rejoints tout à l'heure par Haïk Tatian, parce qu'on va parler également musique durant cette émission. Haïk Tatian, qui est violoniste et chef d'orchestre. Bonjour à vous tous, et commençons avec vous, Hasmik Kevonian, pour parler d'abord de ce changement de date, parce qu'on a l'habitude de voir Armin Livre au mois de décembre chaque année. Tout à fait. Vous comprenez bien l'importance que nous voulions donner Maison de la Culture Arménienne d'Alfortville à l'année 2015. Donc nous sommes approchés de la mairie d'Alfortville, comme chaque année, pour dire y aurait-il une possibilité de faire cela au printemps plutôt que de le faire en décembre comme nous le faisions. Donc il a été possible de faire cela ce début mars, le printemps pour nous étant en même temps l'avenir, et puisque 1915-2015, tels sont les chiffres que nous avons mis sur toute notre communication. Et donc la décision a pu être prise de faire cela ce début mars. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que beaucoup attendaient le mois de décembre pour acheter leurs livres, pour les cadeaux multiples, mais nous devions de faire cela en 2015. Voilà. Alors, nous sommes d'accord, il y a très peu de manifestations littéraires en France consacrées aux livres arméniens, à Marseille, à Sevran, ici et là, mais Armin Livre, c'est quand même une belle manifestation, un bel événement. Et pendant plusieurs jours, vous avez eu l'habitude pendant des années d'inviter de personnalités du monde entier, des États-Unis, d'Athènes. Si on peut faire une rétrospective de ces 9 années passées. C'est le 10e salon, voilà, cette année. Le livre, c'est pas quelque chose de nouveau pour la Maison de la Culture Arménienne. Dès les années 80, nous sommes rendus compte, enfin, moi je venais de Paris, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de, librairie, à part la librairie Saint-Mélian, Paloyan, et quand on voulait un livre, il fallait aller dans le 5e arrondissement ou dans le 9e.
Donc nous avons eu l'opportunité dans les années 80 très vite d'être invités par la bibliothèque municipale de l'époque en disant « mais vous n'avez pas quelques livres arméniens qu'on pourrait mettre dans notre fête du livre ?» Et puis tout a commencé comme ça, nous avons constitué un fonds et la diffusion livre était... Ça ne se faisait pas en France, on n'invitait pas d'auteurs à venir présenter leurs ouvrages et la MCA était la première association qui a fait ce travail. Résultat, nous avons constitué un fonds qu'on peut qualifier peut-être de librairie associative qui s'est amplifié jusqu'au jour où nous avons constaté que malheureusement comme partout il y avait un peu moins de monde quel que soit l'auteur et l'idée en assemblée générale par des membres de l'association a été de dire mais pourquoi est-ce qu'on ne rassemblerait pas tous ces livres dans une manifestation. Et l'idée du salon du livre arménien était née. Il fallait lui trouver un nom, on a trouvé Armen Livre et puis tout a commencé il y a 10 ans. À l'espace culturel le 148. C'était à l'époque où René Rouquet était le maire. Bien sûr, et il était là de chaque inauguration, monsieur le maire. Je continue à vous appeler monsieur le maire, excusez-moi. Donc c'était né, il y a une grande année. Alors il y a une personnalité à laquelle je veux absolument faire mention, c'est Anaïs Termination, qui dès le début nous a accompagnés, et c'est en quelque sorte notre marraine. Parce que je peux vous assurer qu'il y a 10 ans, peu d'intellectuels parisiens nous faisaient l'honneur de leur visite et leur soutien. Bon, maintenant les choses ont changé. Donc nous tenons à remercier Anaïs Termination pour tout ce qu'elle nous a apporté et nous apporte encore. Elle était justement la première invitée d'Arménie. Oui, 2007, Anaïs Termination, historienne. L'année suivante, nous avons pu mettre une institution à l'honneur, et tout naturellement, nous sommes tournés vers la librairie Saint-Mélian. Le journal Harach, qui maintenant ne paraît plus. Et nous avons fait à cette occasion une création d'une exposition qui n'existait pas, avec des documents que nous ont confiés la famille Harach, si j'ose dire. Bien, puis... La librairie Saint-Mélian, là encore, et c'est un peu douloureux, parce qu'en fait, ces deux institutions qui ont vraiment été à la base de la communauté arménienne de France, de la diaspora même, de la diaspora en général, maintenant ne sont plus d'activité ou très peu. Et puis, nos regards se sont tournés vers l'Est. Et là, nous avons dit, allez, on va faire un clin d'œil. On invite cette magnifique petite maison d'édition à l'époque, très courageuse, et on les invite, ils viennent d'Istanbul, Turquie, ils sont venus. Et Il s'agit d'Arras. Ça a été un grand moment d'émotion, parce que c'était comme ça, on retournait en quelque sorte vers ces derniers mots. Et c'est là que pour la première fois, on commençait à voir dans une exposition de livres arméniennes, des livres en turc également. L'année précédente, il y avait deux titres, ou un titre, je ne sais plus, Sophie va me corriger, en langue turque. Je peux vous dire que certaines personnes nous ont fait des remarques en disant « comment, du turc, je ne sais pas quoi ». Par contre, des Arméniens turcophones, pour la première fois, voyaient un titre concernant les Arméniens dans une langue qu'ils maîtrisaient et ont découvert quelque chose. Donc ça n'a pas été facile, mais on ne regrette absolument pas. Et puis, il y a eu un grand moment, ça c'est quand Haroun Kürcan... ce pédagogue et éditeur bien connu est venu de Grèce. Et là, comme il avait vécu en France quelques années, je ne sais pas si René Rouquet se souvient. Oui, tout à fait. Ça a été un très grand moment. Affectif aussi, je dois dire, et intellectuellement. On a parlé bilinguisme. Mm-hmm. Nous avions invité Seta Biberian, la directrice de l'école La Mascarine de Marseille. Et là, l'école Bolodian, il y a eu un ciment absolument extraordinaire. C'était vraiment la rencontre. Et puis un autre grand moment, ça a été la venue du professeur Richard Vanessian, qui venait des USA. Et l'avant-dernier, c'était Yves Ternon, qui annonçait à ce moment-là qu'il allait y avoir un ouvrage et beaucoup de choses en 2015. Effectivement, cette année est très riche et Yves Ternon contribue beaucoup d'abord à un livre que nous avons présenté, qu'il a co-écrit avec et puis là, on va parler beaucoup de ses activités, les activités du groupe
c'est un groupe d'intellectuels qui prépare, à la fin du mois de mars, cette grande conférence qui s'étale là sur 3 jours et qui est sous le patronage du président de la République. Oui, on va reparler différemment. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que en parlant d'édition, il n'y a pas de petits et de grands livres, à mon avis. Parce qu'on s'aperçoit que ceux qui ont encore en mémoire l'histoire de vie de leurs ascendants, les rescapés du génocide, l'écrivent bien ou mal, et il y a aussi toutes ces publications que je qualifierais de personnelles, d'histoire de vie. Alors, pourquoi cette année vous avez choisi, voulu mettre à l'honneur l'ancien maire d'Alfortville, maire... Oui, les députés du Val-de-Marne, c'était très important. Le maire actuel et aussi Joseph Franceschi. Parce qu'il y a des Alfortvillais, des Arméniens qui viennent d'arriver à Alfortville, ils ne savent pas qui est Franceschi. Ils vont apprendre. Oui, quand le conseil quand nous avons proposé au conseil d'administration de mettre à l'honneur ces 3 personnalités-là, c'était en cohérence avec l'année 2015. Parce que les uns et les autres ont apporté et apportent encore un tel soutien aux actions en faveur de la reconnaissance du génocide, du négationnisme, et en faveur de l'Arménie, en faveur d'Alfortville et de la maison de la culture arménienne. Oui, oui, et de l'Artsakh aussi, bien sûr, et du Djavark. C'était pas une obligation, hein, mais nous n'avons pas hésité à cela. Ça nous a paru évident. Évident. Alors, Joseph Franceschi, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un homme qui s'est engagé, un des premiers hommes politiques français à s'engager dès le début. Et puis, sans Joseph Franceschi et les encouragements qu'il a pu nous apporter dans les années 70, quand nous sommes lancés, quand les cofondateurs se sont lancés dans cette aventure de la création de la Maison de la Culture arménienne, nous n'existerions peut-être pas. Il y a aussi l'école arménienne. Alors, quand vous dites au début, c'est les années 50-60. Hein, il a été présenté la première fois en 59 à une première élection qu'il a perdue, la première fois, et ensuite en 65, où il a finalement pu gagner. Et là, les Arméniens, et surtout René Wauquiez, vous pouvez témoigner de, non pas forcément de cette période-là, mais en tout cas vous qui avez été aux côtés de Franceschi, du soutien des Arméniens dans ces combats aussi électoraux à l'époque. Oui, bonjour. Moi, pour témoigner de cette période, c'est un vieux souvenir, bien entendu, mais moi je me souviens des combats qu'a mené Joseph Franceschi dès 58-59, sur toutes les élections, qu'elles soient municipales, cantonales, législatives. Mon père était militant à l'époque, moi j'étais un jeune étudiant, et je me souviens du soutien de la communauté arménienne à l'époque, qui avait été déçue de l'ancien maire, qui s'appelait Raoul Bleuze, et donc la communauté arménienne, dans toutes ses facettes, a soutenu Joseph Franceschi pratiquement, je dirais pas à l'unanimité, mais à une très forte majorité. Et donc en 65, moi j'étais dans l'équipe, j'avais que 19 ans, donc je n'ai pas pu être élu, puisque j'étais trop jeune, la majorité politique était à 21 ans à l'époque. Mais j'ai participé à cette campagne, je suis rentré au Parti Socialiste en 1964, donc en 65 j'étais en campagne. Et je veux dire que la victoire de Joseph Franceschi en 65 est due aussi en partie avec le soutien des Arméniens d'Alfortville. Je pense notamment bien sûr à Robert Kozidikian, Arkès, hein, qui n'est plus là aujourd'hui, qui était le doyen de cette section pendant très longtemps. Et puis des hommes comme Clément Agoudian et Jean Noël. Et des femmes comme Jeannette Gallon. Et des femmes comme Jeannette Gallon, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Qui était la représentante de la Croix Bleue à l'époque. Mmh. Tout à fait, et qui a fait. Je crois que c'est elle qui m'a le plus apporté dans ma connaissance du génocide et qui m'a vraiment motivé et intéressé et motivé pour après mener des combats politiques pour la reconnaissance du génocide. Jeannette, le 29 mai 1998, quand j'ai fait mon discours comme rapporteur pour le premier texte sur la
sur la reconnaissance du génocide. Je l'ai cité dans mon discours parce que j'ai tenu à... C'est la seule personne d'ailleurs que j'ai citée dans mon discours, mais je voulais vraiment la mettre à l'honneur et lui dire ma reconnaissance à moi pour m'avoir donné les armes qu'il fallait pour mener ce combat. Alors, José Franceschi, avant que l'actuelle maison de la culture arménienne s'ouvre, l'activité de l'AMCA était dans une tour au 22e étage. Absolument, moi je n'ai pas connu cette période. Mais paraît-il que c'est aussi grâce à l'aide de la municipalité. Ah, complètement. Voilà, ça a été complètement possible. À Charles Sarkissian, la présidente de la maison de la culture arménienne, qui était déjà là à cette époque, qui est une cofondatrice, le raconte avec beaucoup d'enthousiasme encore, 45 ans après. Et disant que les réunions au 22e étage étaient houleuses, comme c'est pas possible. Et puis, jusqu'au jour où la décision a été prise, tout Arménien qui se déplace quelque part a besoin de construire sa maison, donc il fallait. Et c'est là où. Mais au-delà de l'aspect. Monsieur José Franceschi, maire d'Alfortville, député, c'était cet enthousiasme. Moi, je m'en souviens très très bien, jusqu'à la fin, il m'a toujours appelé mademoiselle. Et en me disant, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avancez? Ça m'est resté. Est-ce que vous avancez? Voilà, donc on tenait vraiment à l'évoquer. C'est pas qu'une évocation, il a quand même pris aussi des positions très claires. Et je me demande, c'est une question que je voulais poser à M. René Rouquet, est-ce qu'il n'a pas, comme ça, donné quelques phrases bien placées à au président de la République Mitterrand? Bien entendu. Bien entendu, quand François Mitterrand à Vienne a prononcé le mot de génocide, il était entouré de Joseph Franceschi, de Louis Mermaz et de Charles Hernu. Bon, c'était le trio autour du président Mitterrand qui lui a aussi apporté les arguments sur la reconnaissance. Et donc cette histoire reste, bien sûr, François Mitterrand le premier à avoir prononcé comme homme politique national, le terme de génocide, c'est d'une importance capitale pour les Arméniens de France. Bien sûr, et c'est sous Franceschi que le Khatchkar d'Alfortville a été apporté d'Arménie. Tout à fait. Et en liaison, on va dire, avec le catholicos de l'époque, Pascal Ier, ils se connaissaient tous les deux. Bien sûr, ils s'étaient rencontrés. Bien sûr, ils l'avaient invité à Paris, à Alfortville. Et je me souviens de Vasquez Ier défilant dans les rues d'Alfortville, de l'église à la mairie, pour être reçu. À l'époque, j'étais, moi, pas encore élu, mais j'étais un jeune militant et j'étais vraiment très marqué par cette. Et une des premières stèles où on voit marquer 1915 la responsabilité des jeunes turcs. Absolument. Donc, c'était important. Et si je peux me permettre, justement, je suis arrivé sur Alfortville dans les années 77, et il y avait des réunions déjà autour du Khatchkar et autres, et puis il y a eu cette fameuse réunion où. Qu'allait-on mettre? Quelle est l'inscription qui serait... Et je vous dis, il y avait des personnes, et même des personnalités très timides. José Franceschi a été catégorique, je ne sais pas si vous vous souvenez, en disant, oui, les mots sont justes, et l'inscription a pu être gravée. René Rouquet, vous qui avez, et vous qui fréquentez aujourd'hui les Arméniens, surtout d'Alfortville, après tout ce parcours, avant d'être maire, en tant que maire, en tant que député, en tant que vice-président du Conseil de l'Europe, président de la délégation française parlementaire au sein du Conseil de l'Europe, tant de responsabilités hier et aujourd'hui, comment vous décrivez votre relation avec les Arméniens? Vous savez, moi, ma connaissance de la question arménienne a démarré très jeune, parce que à l'école, j'étais à Alfortville avec des jeunes Arméniens. Et donc, on échangeait entre nous. Et les jeunes Arméniens de ma génération étaient très imprégnés par l'histoire racontée par les grands-parents, par les parents. Et donc, très vite, moi, j'ai eu cette sensibilité de connaître d'abord ce qui s'était passé en Arménie, le génocide et tout ça. Et donc, comme jeune militant, je suis vraiment rentré dans ce combat avec des gens qui m'ont donné l'instruction pour le faire. Parce que je crois qu'aujourd'hui, pour être un défenseur de la cause arménienne, pour se battre pour
pour la reconnaissance, se battre aujourd'hui contre le négationnisme. Je crois qu'il faut qu'on connaisse parfaitement l'histoire et comment cette histoire des Arméniens s'est faite. Donc, il y a des gens qui, au cours de ma vie, m'ont apporté cet enseignement. On parlait de Jeannette Galland, Robert Kosygian, bien entendu, mais aussi Azal Kashikian, Richard Hanagnan, qui est toujours encore un ami très proche, et puis toute la diaspora d'Alfortville, qui à différents titres, que ce soit à la Maison de la Culture, que ce soit à l'Église, que ce soit dans les associations, m'ont apporté à chaque fois des arguments pour mener ces combats-là. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'on perçoive un défenseur de la cause arménienne que par un souci électoral, parce qu'il est maire d'une ville où il y a beaucoup d'Arméniens qui vont aller voter. J'ai toujours été très attentif à pouvoir donner des explications de fond qui font que la cause arménienne, pour moi, c'est dans mon cœur, c'est dans mes tripes, et qu'il fallait mener ces combats. Et c'est ce qui m'a amené, en 97, à demander à Lionel Jospin d'inscrire cette question de la reconnaissance du génocide à l'Assemblée nationale. Vous êtes le premier rapporteur sur ce sujet. Il n'a pas tout de suite été au devant de ma démarche. Donc c'est le groupe socialiste à l'Assemblée qui a provoqué ce premier pas. Et après, vous connaissez la suite avec le vote de la loi définitive en 2001. Mais c'est tout un processus qui a fait qu'il fallait être... il fallait connaître parfaitement la cause arménienne, et puis tous ces périls, bien sûr. Après, on a vécu le problème de l'indépendance et le développement de l'Arménie, dans toutes les difficultés qu'on connaît, les relations qu'on a pu entretenir, et puis le Radavar aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Radavar très tôt, dès 1994, au moment de l'élection, première élection du président Robert Kocharyan comme président de l'Artsar. Mais c'est des expériences extraordinaires. Vous êtes allé combien de fois en Arménie au Radavar ? Je dois être autour de une trentaine de fois en Arménie, parce que j'y vais au moins une ou deux fois par an. Donc depuis 1991. À travers le jumelage, à travers le groupe d'amitié, à travers les amitiés personnelles, à travers aujourd'hui les voyages du président de la République, puisqu'on l'a accompagné, puis je pense qu'on va être avec lui aussi le 24 avril. Donc tout ça fait qu'un lien, un pont, à travers l'amitié, à travers la politique, à travers le combat pour la reconnaissance, qui n'est pas terminé en fin de compte, parce que ce combat, il doit être reconnu bien au-delà de la France, hein. Moi, aujourd'hui, pendant cette année du centenaire, je regarde et j'écoute ce qui va se passer aux États-Unis. Je crois que c'est l'opportunité pour les Américains de faire ce pas qu'ils n'ont pas fait encore, qui ne font que dans les programmes électoraux et qui n'arrivent pas à faire passer un texte et faire une démarche forte. Moi, j'attends ça de Barack Obama. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait, ce qu'il peut, mais il peut encore faire. Et il peut encore faire ce geste important. Il n'est pas... Je crois que c'est... Et puis on regarde aussi vers la Turquie. Hein, c'est peut-être aussi... nos yeux doivent... et nos oreilles doivent vraiment être attentifs à ce qui va se passer cette année en Turquie. Enfin, je n'ai pas trop d'espoir. Ça n'a pas l'air d'être bien parti, mais bon, attendons voir. Moi, je voudrais quand même qu'on parle de l'amour que les Azéris portent envers vous. Oui. Ils vous ont accordé un visa il y a quelques mois. Oui, je devais aller avec le Conseil de l'Europe pour une réunion du bureau à Bakou. Dans un premier temps, ils m'ont accordé le visa. Je pense que les services du consulat ou d'ambassade n'ont pas trop fait attention. C'était avant le voyage de François Hollande. Voilà. 3 jours avant de partir, ils m'ont retiré. Ils m'ont dit que le visa était... C'est l'ambassadeur qui vous a écrit pour vous dire que... Pour vous dire que mon visa ne tenait plus, qu'il avait fait une erreur. Donc voilà, c'est rarissime comme expérience, que ce soit pour vous, que ce soit pour les services consulaires, un député à qui on donne un visa et qu'on puisse retirer quelques jours avant son voyage. Non seulement c'est rarissime, mais c'est inadmissible. Et puis je ne vois pas l'intérêt. Enfin, ça aurait pu, à la limite, j'aurais pu très bien partir à Bakou et arriver là-bas, et ils me refoulaient, ça faisait un scandale. Donc,
je n'ai pas voulu gêner la délégation du Conseil de l'Europe. La délégation et la présidente elle-même ont protesté à ce refus. Mais bon, c'est la démonstration. Il y a une réunion qui devait se tenir à Bakou, que le Conseil de l'Europe a refusé. Voilà. À partir de cette réunion du bureau qui s'est tenue là-bas, la présidente a fait un certain nombre de déclarations sur place. Et on a annulé toutes les réunions qui étaient prévues à Bakou pendant la présidence du Conseil de l'Europe, du comité des ministres qui s'est faite pendant il y a tout juste un an. Alors, les Alfortvillais ne savent pas forcément ce que vous faites au Conseil de l'Europe, parce que peut-être qu'ils ne suivent pas, c'est un peu lointain, toutes ces histoires qui concernent le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, la Commission européenne. Si je peux faire une proposition, Mme Bouquet, vous écrivez un livre. Oui. Et on le présente au Salon du Livre. Maintenant. Ah, voilà. 11e édition. Vous savez, à partir de 91, ce mouvement exceptionnel de chute du mur, de Berlin, les républiques qui demandent leur indépendance, l'Arménie, le Ralaba, j'ai freiné mon activité parlementaire sur le plan intérieur et je me suis axé sur la politique étrangère. En ayant à l'esprit on vivait un moment exceptionnel. Et donc je voulais participer, bien sûr, à ce mouvement, être attentif, être témoin, et puis peut-être aussi intervenant sur ces questions-là. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller à la Commission des Affaires étrangères, et c'est à ce moment-là aussi où on a modifié le groupe que je présidais, qui était un groupe d'études sur la question arménienne, qui a été modifié comme en groupe d'amitié, et à partir de là, une longue histoire s'est faite. Et alors à partir de là, comme représentant du Parlement français, j'ai souhaité aller à l'OSCE, à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, parce qu'on disait l'OSCE va s'intéresser au problème du Ralaba, la France étant un des trois représentants au groupe de Minsk. Mais l'Assemblée parlementaire, en fin de compte, elle donne un avis, elle fait des interventions, mais elle n'intervient pas directement dans le règlement. Donc j'ai regardé un peu ce qui se passait au niveau international pour être plus près encore de la cause arménienne. Et c'est là où je me suis aperçu qu'au Conseil de l'Europe, les Arméniens y participant, hein, puisqu'ils font partie des 47 pays membres du Conseil de l'Europe, c'est là où j'ai décidé d'aller au Conseil de l'Europe. Et c'est un endroit stratégique pour écouter la façon dont interviennent les anciennes républiques de l'ancien pays de l'Est, et on voit aussi la façon dont résonnent les Azéris, et cette pression permanente, ce lobby permanent qu'ils font au Conseil de l'Europe. Donc il faut toujours être attentif, et je ne suis pas sûr que, en dehors des parlementaires français, dans ces 47 pays, il y ait vraiment des parlementaires qui s'intéressent à la question arménienne. Ils réagissent de temps en temps sur des textes, mais ils ne sont pas à l'avant-garde. Et en France, on a quand même ces quelques parlementaires qui sont en mesure d'être attentifs, de répondre et de faire des propositions. Les parlementaires ou la délégation arménienne au Conseil de l'Europe considèrent parfois que vous faites partie de leur groupe parlementaire de la délégation arménienne. Oui, parce que sur beaucoup de questions, on se rejoint. De toute façon, en ce qui concerne l'Arménie, nous, on est toujours là pour être attentif et soutenir, bien entendu. La présidence arménienne a été importante aussi, puisque les Arméniens ont eu 6 mois, la présidente du comité des ministres. C'est des moments, bien sûr, très importants. On n'est pas toujours d'accord, hein, par rapport aux événements Kimmel, Poutine. Sur des votes, on est de temps en temps pas toujours d'accord, parce que l'Arménie a une vision régionale qui fait que des fois ce n'est pas la nôtre. Mais ça ne touche pas directement l'Arménie, c'est sur des sujets qui vont au-delà. Alors, on va parler deux mots sur Lucas Mounas, le sénateur-maire d'Alfortville, que nous avons souhaité avoir autour de cette table, mais ses obligations ne lui ont pas permis d'assister à cette émission. Il faut dire que Alfortville, et jumelé avec la ville de Chagan en Arménie. Et d'ailleurs, la mairie d'Alfortville et vous-même personnellement, vous avez dédié 130 000 euros de votre réserve parlementaire il y a 2 ans, complètement à 100% à l'école de Chagan,
vous avez renouvelé l'expérience, mais pas à 130, pas à la même hauteur, parce que la loi a changé, enfin le règlement interne du Parlement. On observe un peu plus ce qu'on fait, et donc il faut essayer de répartir un peu. Bon, enfin, ça reste quand même encore cette année à 85 000 euros. Donc ça permet vraiment, sur plusieurs années, à l'école de Chagan de pouvoir devenir une belle école, quoi. C'est pour la rénovation de l'école principale. Ouais. Alors, la mairie d'Alfortville accorde également 130 000 bien euros. Sûr, bien sûr. Et renouvelle cette expérience, cette dotation, cette année encore. Oui. Je ne sais pas si c'est le même montant, mais en tout cas, il y a toujours une dotation. Tout à fait, oui. Alors, parlons de Luc Carounas. Il n'est pas là, mais il faut en dire deux mots, parce que quand il est apparu dans son discours contre le négationnisme au Sénat, donc c'était il y a 2 ans à peine, on pensait que jeune sénateur, jeune maire, il n'est pas forcément, c'est pas René Rouquet, qui est là depuis 30 ans aux côtés des Arméniens, mais quel discours, une maîtrise totale de l'histoire, du droit. Bien entendu. Donc, c'est sa formation initiale. Et vous savez, il faut savoir aussi que Luc Carounas milite depuis de nombreuses années à mes côtés, à Alfortville, au niveau départemental et national, qu'il a est parfaitement, bien sûr, intégré dans ce combat pour la reconnaissance, hein, puisqu'il a mené depuis longtemps des... Et donc, aujourd'hui, il est devenant maire d'Alfortville, il devient aussi le maire des Arméniens d'Alfortville et de toute la ville, bien entendu. Mais il est très sensible, bien sûr, de par aussi ses origines, hein, il est d'origine grecque. Il est très attentif à ce qui se passe en permanence. Il est vice-président du groupe d'amitié France-Arménie au Sénat. Et encore, il aurait pu être certainement président, mais il s'est dit les deux présidents. Ça fait deux Alfortville. Il faut le rappeler à nos auditeurs, vous êtes le président du groupe d'amitié France-Arménie à l'Assemblée nationale. Voilà, je suis redevenu, puisque je l'avais créé en 91, mais j'y suis redevenu parce que j'avais vraiment envie de participer, bien sûr, à ce travail qui continue. Alors, mais vous avez été ensemble au Djavarc, c'est au mois de septembre. L'année dernière, oui, bien sûr. Et la mairie, là encore, il faut le dire, donne une subvention à l'association France Djavarc, une association qui a fait beaucoup, cette association alfortvillaise en France, pour la création d'un centre de jeunesse que vous avez visité et vous avez assisté. J'ai accompagné Luc Carounas, qui était invité comme maire là-bas, bien sûr. Et ça a été un grand moment aussi de connaissance, parce que j'avais jamais été au Djavarc. Et c'est une histoire encore un peu particulière. Je connais la Géorgie sous d'autres angles, hein, puisque au Conseil de l'Europe, j'ai eu l'occasion de faire une mission et un rapport sur les personnes déplacées internes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie. Donc j'ai eu vraiment, j'avais connaissance de la Géorgie plutôt sous cet angle-là. Et cette partie arménienne du Djavarc, c'est quelque chose de très intéressant. Alors finalement, on a rencontré des gens extraordinaires. René Rouquet, il ne vous manque plus que les provinces historiques situées, occupées en Turquie. Voilà. Il y aura aussi celle du nord de l'Iran. Enfin, bon. Pour terminer, il faut juste rappeler quand même que la mairie est toujours à vos côtés, ainsi que Kévrignon, pour les travaux, les actions de la MCA, aux côtés de l'église, aux côtés de l'école, et d'ailleurs le nouveau collège, là encore, la mairie apporte une contribution au niveau de la construction de cette école, au moins sur les aménagements extérieurs. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la succession de nos maires d'Alfortville, c'est que chacun a contribué à la réalisation de grands moments. Puisque, Joseph Franceschi, on va dire, c'est la MCA, mais c'est aussi toutes les autres associations. René Rouquet, ce sera... Alors, vraiment, se tourner vers l'Arménie, et vraiment vers la cause arménienne elle-même, et la MCA toujours, et les organisations aussi. Et Luc Carounas va connaître l'inauguration du nouveau groupe scolaire. Dire que je ne pense pas qu'il a... C'est pas de la flagornie, hein, de ma part, ce sont des grands moments de l'histoire des Arméniens de France et de la diaspora en général. Puis il y a eu le soutien formidable de la diaspora, aidé aussi par la municipalité au moment du tremblement. Bien sûr, et des Alfortvillais quand même, parce que... Extraordinaire de mobilisation. Et peut-être même que dans la communauté arménienne, il n'y avait pas toujours le regard vers la République d'Arménie
qui allait naître, hein, qui était naissante à l'époque. Et là, ça a été une formidable mobilisation. Ça resserre quand même ça, les liens entre les gens. Vous savez, c'est pas que la communauté arménienne qui s'est mobilisée. C'était tout l'ensemble de la ville. Et là, on s'est aperçu que, même si il y a quelques années, on disait, oh, les Arméniens, vous savez, on disait, un Arménien qui construisait un pavillon à l'île Saint-Pierre, on disait, oh, les Français d'origine, les Alfortville d'origine française, regardaient des fois avec critique. Et bien, le tremblement de terre a vraiment réuni tout le monde, et on a vu une mobilisation exceptionnelle. Parlons et replongeons dans ce salon, la 10e édition. Mais on a écrit l'histoire, non? Oui, on a quand même fait. Donc on a fait un livre. Oui. C'était l'introduction. Le salon, cette année, je sais que l'année dernière, quand on a fait encore une émission, vous parliez de 900 titres, c'est ça? Cette année, je voudrais bien que Social European en parle aussi des livres. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on attend encore des livres qui ne sont pas arrivés, entre autres d'Arménie, mais des titres de langue française aussi. Nous allons présenter en livre 1010 titres, c'est-à-dire 487 en français, 21 en anglais, 55 en turc et 447 en arménien. Et j'aimerais que Soucy intervienne là-dessus, parce qu'on nous a très souvent dit « mais l'arménien, personne ne le lit ». Alors, Soucy Agopian. Oui, d'abord, je voudrais un peu faire une historique. Les livres en arménien, en grand nombre, on a commencé à les avoir à partir de l'année de l'Arménie. Mmh. D'ailleurs, j'avais fait le voyage avec M. le maire pour aller acheter en Arménie des livres. Il n'y avait pas toutes ces facilités qu'on a maintenant. Et on a vu à la fin du salon qu'on avait vendu plus de livres en arménien, une cinquantaine, qu'en français. Ce qui a permis au conseil d'administration de ne plus avoir peur qu'on achète. Parce que quand on fait venir des livres de l'étranger, c'était un principe aussi. On achète aux éditeurs arméniens du Liban, de Grèce, de Turquie, d'Arménie, de Syrie à l'époque, parce qu'ils ont besoin d'être aidés. C'est pas comme en France où on demande en dépôt. C'est quand même très exceptionnel quand même pour ces maisons d'édition de voir que d'un seul coup, dans une ville, tout le monde connaît Alfortville puisque c'est la capitale de France. C'est le centre du monde, Oui. Donc, que quand même, à Alfortville, il y a un salon qui naît et puis qu'on achète nos livres. C'est quand même... Par exemple, le Catholicossa d'Antelias, Amaskaï de Beyrouth, Arras, la Fondation Granting, etc., nous connaissent très bien. Quand j'envoie un mail ou je les appelle, ils connaissent déjà. Alors, quelles sont les nouveautés de cette année? Cette année, il y a beaucoup... Bien sûr, sur le génocide, sur les témoignages. Par exemple, cette année, en langue turque, il y aura pratiquement tous les livres des éditions belgées de Zarakolu. Qui est en difficulté et qui a besoin de notre soutien. Donc, j'ai été aidée par une éditrice qui travaille avec cette maison. Qui m'a aidé dans le choix des titres, puisque moi je ne connais pas le turc. Et donc on a reçu les livres déjà, ils sont en carton. Il y aura une table spécifique pour ces ouvrages. On a reçu de la Fondation Randing, on a reçu de la part de Arras des titres en turc. Alors, quels sont les autres pays? Vous parliez de la Syrie. La Syrie, malheureusement, aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on ne peut plus faire venir. Même au Liban, quand je demande des titres qui ont été édités en Syrie, ils ne l'ont pas. Mais il y a quand même de l'édition toujours en Syrie? Non, mais les anciennes éditions. D'accord. Moi, je sais que, par exemple, la personne qui était propriétaire des éditions Guiliguia en Syrie, maintenant il est à Genève.
Donc. Et qu'est-ce qu'on apporte de nouveau du Liban ? Du Liban, de nouveau, il y a toute cette série que le Catholicossa a mis en place pour éditer les histoires des villes ou des régions de l'Arménie historique ou de la Cilicie. Daron Ashkari Bakmutyun, Adanaï Bakmutyun, Antabi Bakmutyun, Urfaï Herosamart, etc., etc. Et bien sûr, des livres pour enfants. Alors, ici à la radio, on reçoit chaque semaine un, voire plusieurs livres en français, édités en France, par des maisons connues ou moins connues, par des auteurs très souvent connus par nous, mais parfois on rencontre, on voit de nouveaux noms qui apparaissent. Comment expliquer cette effervescence, Je pense, ceci va compléter, mais ils se sont peut-être rendus compte, et ça, nous y sommes pour quelque chose, nous, MCA, et toutes les autres associations qui ont travaillé dans le livre, la présentation des livres, que peut-être que c'est un marché vendeur. Parce que pour un éditeur, vous savez que les maisons d'édition, même, enfin les grandes maisons d'édition n'ont peut-être pas de problème, mais la lecture papier est quelque chose. Moi, je le sais par une de mes personnes de ma famille qui travaille au Seuil. Même le Seuil, qui est dans un groupement d'éditeurs, se pose des questions sur l'avenir de l'édition papier. Donc là, c'est une opportunité pour tout le monde, pour les maisons d'édition, parce que c'est une raison qu'ils fassent des cadeaux, hein, c'est du commerce, pour les auteurs qui trouvent éditeurs, qui est aussi important, et nous, les lecteurs potentiels, qui allons, je l'espère, acheter ces livres cette année. Donc, mais vous savez, il faut qu'on se tienne au courant tous les jours, parce que tous les jours paraît une nouveauté. On a pourtant fait en mars ce salon, mais il va y avoir beaucoup de sorties en mars, avril, parce que les éditeurs veulent dater ça d'avril. Oui, aussi. C'est du marketing. Je voudrais quand même ajouter quelque chose. Je crois que certains historiens, écrivains, etc., bien connus des grands éditeurs, ont fait beaucoup de vagues pour qu'il y ait autant de livres publiés. Alors, nous allons parler de livres, mais je ne sais pas si vous avez envie de nous donner quelques indications sur les nouveaux titres qui arrivent ou c'est l'effet surprise. Allez au salon. Non, rendez-vous mercredi matin à partir de 11h. On t'invite. Salle de convivialité à Alfortville. Donc, ça commence le 4. Alors, quand même, que je dise, parce que ça, c'est une réponse à des mots, des adverbes que nous alors, avons entendus. Alors, ça, la convivialité, c'est un lieu connu pour les Alfortvillais, mais on ne le sait pas partout en Ile-de-France ou ailleurs. Mais tout le monde connaît. Voilà, donc. Le pôle culturel a été inauguré justement l'année de l'Arménie. En même temps que l'année de l'Arménie. Et c'est la raison pour laquelle nous étions déjà là à ce moment-là. Le pôle culturel se situe en centre-ville. Non loin de la mairie d'Alfortville, corrigez-moi, monsieur Wanderou. Rue Joseph-Francisci. Voilà. Rue à l'angle. Parvis des Arts. Voilà, de la Parvis des Arts, où vous pouvez trouver la médiathèque, qui est un magnifique équipement, une salle, qui s'appelle la salle de convivialité, comme son nom l'indique, qui s'y passe chaque jour quelque chose. Et puis cette magnifique salle de spectacle, à l'étage, qui est aussi, qui a une programmation. De théâtre, alors, cette fois-ci. Donc, il faut le dire, on n'est pas très loin du RER. Voilà, RERD, à pied, un quart d'heure. Non, 5 minutes. Oui, moi, je mettrais un quart d'heure. Et puis, quand on vient en voiture, on accède par la rue Bourdarias, on cherche la clinique La Concorde. Et peu de temps avant, il y a la Ligue aussi d'enseignement. Et il y a un parking. Alors, on y est dans ce salon. Comment ça se présente sur place ? On m'avait coupé la parole, mais je tiens quand même pour répondre à des propos très désagréables que nous avons entendus il y a quelques années. Il y a en tout, quand on multiplie par le nombre d'ouvrages, 5000 ouvrages, 5000 titres, 4400 pièces. Voilà. Hein ?
Donc voilà, c'est une réponse que je voulais donner. Parce 1000 titres, c'est quand même extraordinaire. Oui. Mais vous savez, je me rappelle de la première édition de l'Armée de Livres. Bon, j'avais suivi un peu la préparation, mais je ne m'attendais pas à autant, une telle richesse des documents. Dès la première édition, en 148, ça a été quelque chose. J'ai été vraiment épaté. Je me suis dit, là, on tient vraiment. Vous savez, chaque ville, dans les villes, on aime bien créer un festival, un salon de ceci, un salon de cela. Et là, Armée de Livres, dès la première année, ça a été une très grande réussite. Et j'étais sûr que ça pouvait continuer, parce que tout simplement, ça pouvait que grandir. Et la preuve, c'est que maintenant, il faut de la salle de convivialité. Le 148, on a pris d'abord une salle, après deux salles, et puis maintenant, c'est le 100. Et je me demande comment on va faire dans 10 ans d'années. Ça, c'est le problème de Luc Carbonneuf. Ça nécessite un budget très important. Et ça, je tiens à le dire. S'il n'y avait pas la décision du conseil d'administration d'allouer quand même, et de prendre des risques, parce que ça coûte très cher un salon. S'il n'y avait pas l'aide de la municipalité d'Alfortville par les subventions que nous recevons et aussi la mise à disposition de locaux, et là nous voudrions particulièrement remercier certains services municipaux qui chaque année nous aident, mais alors vraiment cette année beaucoup plus, c'est entre autres le service communication. Parce que un certain nombre de documents ont été faits par eux. Et puis nous avons dans la ville des calicots annonçant le festival. Donc le festival des écritures, si je veux dire. Je copie un peu sur le pôle culturel. Voilà, donc un budget très important. Une équipe de bénévoles. Donc il y a une vingtaine de personnes en bénévoles. Mais l'équipe resserrée, c'est 4 personnes. Quoi. Et resserrée encore, c'est 3 personnes. Alors, parlons de la programmation, parce qu'il n'y a pas que des livres, il y a un concert, il y a des visites pour les écoles, les collèges d'Alfortville, mais aussi les écoles arméniennes de la région. Deux mots sur cette activité, c'est comme tous les ans, hein, il y a toujours quelque chose. Ah oui, tous les ans, nous recevons les scolaires, parce qu'il est très important de recevoir les jeunes. Cette année, nous allons recevoir. D'abord, les élèves de la MCA, les bacheliers, les futurs bacheliers, ceux qui sont au lycée, ceux qui sont au collège, n'auront pas cours à la MCA, mais viendront au salon. Ça, c'est incontournable. Nous allons recevoir, comme chaque année, l'école Saint-Meslo qui va nous amener ses classes de CM1 et CM2. Ça, c'est le vendredi. Et l'après-midi, du Rinchy, arrive un autocar d'élèves des classes, de toutes les classes collèges. Du collège arménien du Rinci. Voilà. Donc à chaque fois, c'est une effervescence. Et alors cette année, Et Mugnik est une association parisienne qui viendra aussi. Alors cette année, nous allons mettre l'accent sur. Nous allons provoquer la discussion avec les élèves sur comment enseigner le génocide. On ne va pas le dire comme ça, bien sûr. Mais on va faire ce questionnement-là, surtout avec les collégiens et surtout avec les lycéens. Donc nous allons accentuer. Nous avons eu un problème parce que nous avons aussi invité les collèges et lycées d'Alfortville. Mais là, on s'est pas heurté, on a eu d'excellentes conversations. Mais devant la difficulté de faire bouger tous ces élèves, d'une part, et puis, quand on s'y est pris, c'est au moment de la mise en place du plan Vigipérate, et là, ce que j'espère, qu'on a envoyé ce genre de document au directeur d'établissement, que eux nous feront le plaisir de la visite. Avec les enfants, on termine, avec dimanche après-midi, comme chaque année, nous avons demandé à Naït Sarkissian, bien connu, en tout cas, qui est là à tous nos salons, de venir faire une rencontre avec les enfants autour de Dzalabadik. Bon, on vous expliquera plus tard ce que c'est. Et il sera là encore le dimanche. Tout ça, c'est gratuit. Hein. Les enfants sont invités gratuitement. Voilà, ça, c'est tout la partie enfants. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous les jours, des auteurs viendront dédicacer. Alors, justement, qu'est-ce qu'on. Nous, on a l'habitude de voir un auteur principal, en tout cas tous les ans. Là, la formule est. Et un peu différente cette année. Absolument. Quels seront les auteurs qui seront là? Il y a là actuellement une dizaine d'auteurs. Il y a toujours l'avant.
On allait vraiment à la recherche des auteurs, il fallait les convaincre, il fallait leur dire venez. Et là maintenant, c'est eux-mêmes qui téléphonent en disant bon, écoute, je peux dire. Donc on a une dizaine d'auteurs qui seront là, surtout samedi dimanche. Présence d'auteurs, cela signifie contact entre auteurs et lecteurs. Ah oui, 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 on n'est pas là uniquement. Alors certains s'attendent à être derrière une table avec leur nom dedans et puis de signer des livres. Et on leur dit bien que ça ne suffit pas. Il faut vraiment aussi entraîner la discussion. Voilà. Donc, d'habitude, l'invité d'honneur fait ce qu'on appelle la grande conférence. Mais là, nous avons décidé quand même de traiter un peu le sujet et d'essayer de faire un quatre-main, si j'ose dire, avec deux générations qui sont Arak Tekolian, qui est un militant de la cause arménienne et qui est écrivain, et puis John, un livre sur et qui a sorti un livre qui marche très bien. Et donc, et Zorina Kéronian, qui est historienne et à l'Université de Paris-Ouest, Nanterre-la-Défense. Pourquoi ? Parce que c'est né Arak Tekolian fait partie de l'équipe aussi, et fut président de la MCA, où il disait, écoutez, moi je me positionnerais bien, on avait l'intention de faire des tables rondes, en fait. Et ça a été très difficile à monter à cause de la disponibilité des intervenants. Donc, il dit, moi je serais très bien de la question arménienne, comme ça, de 78 à 23. Et puis on avait demandé à Zolinage aussi de venir parler du passeport Nansen. Nous avait fait une excellente conférence là-dessus, le passeport des apatrides, ou de Karen Yepet, cette femme extraordinaire qui a sauvé de l'exil un certain nombre, beaucoup d'enfants. Et puis finalement, en parlant avec l'un et avec l'autre, on s'est dit que c'est un sujet qui se complétait. Et que faire intervenir deux générations, ça pouvait être intéressant. Alors, ce sera la conférence du 7 mars. Tout à fait, 18h. À 18h. Donc, ça se passe toujours. Il y a un lieu unique. Et puis, il y a les expositions. Alors, avant de parler des expositions, parlons de musique, puisque Raïd Tartian, dont on a parlé en début d'émission, chef d'orchestre, vient de nous rejoindre. Bonjour, Raïd Tartian. Bon, parlons de cette soirée, vous dirigez le quintet Naïvi, et on sait, on vous a vu d'ailleurs à Alfortville à plusieurs occasions, et ailleurs, vous dirigez un orchestre composé de non-arméniens, majoritairement ou presque exclusivement, mis à part vous, et qui présente un répertoire arménien. Parlons d'abord de cette expérience assez unique. C'est tout de suite l'histoire d'amour. Tout simplement, parce que qu'est-ce qu'on peut dire de plus que quand on aime quelque chose, on adhère. On adhère la cause, on adhère tout ce qui est de beau, tout ce qui est de pas si beau, mais qui nous touche, qui nous émeut. Il y a quelques jours, je rencontrais un musicien, un violoncelliste, qui est un Français, et qui a épousé une Arménienne. Et c'est un Français. Et le jour de leur mariage, ils se sont connus 6-7 mois plus tôt, il lui a parlé en arménien. En douce, il a appris l'arménien. Moi, j'étais très très touché par cette démarche. Je connais plusieurs couples comme ça, plusieurs personnes même, juste par l'amour qui ont fait donc, ce choix de choisir, d'aimer ce peuple, des valeurs que ce peuple peut présenter, la langue, la culture. Et dans ma démarche à moi, c'était aussi qu'à travers ces Français, à travers ces gens de différentes nationalités qui ont été regroupés autour de ce projet de faire vivre la musique arménienne, j'ai pu aussi, à travers leurs yeux, de côtoyer notre culture et de tout ce qu'il y a de plus beau dans notre culture. J'aimerais juste de donner la parole de Komitas, son expression. La musique arménienne est toute force, toute vitalité. Elle nourrit en son sein la philosophie même, le génie même du peuple. Car la musique est le miroir le plus limpide, le plus authentique et le plus vivant de toutes les expressions du peuple. Vivant autant que le peuple est vivant, fort autant que le peuple qui lui a donné l'essence est fort.
Ça, c'était un discours de Komitas qui a été prononcé au congrès de la Société internationale de musique en 1914. Alors vous, vous avez aussi l'avantage et l'envie, je dirais, de présenter au public aussi arménien, pas seulement non-arménien, une musique arménienne qui dépasse les quelques noms qu'on entend souvent, Aram Khachadrian, Komitas, par exemple, vous êtes des rares personnes qui mettaient un accent sur Svengalian, et d'autres encore, des auteurs peut-être aussi compositeurs vivants. Parlons du répertoire de cette soirée qui va se passer à Alfortville. Quel est votre répertoire justement pour présenter quelque chose de nouveau, sachant qu'on est dans une année très importante de centenaire. Je suis parti de l'idée que une soirée comme ça ne peut pas être une soirée ordinaire. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et donc fort de symboles. Donc et dans ma démarche, j'avais trouvé important que dans la soirée soit une partie, on va dire, occidentale, une partie spirituelle arménienne et une troisième partie traditionnelle, inspirée de la musique traditionnelle arménienne. Parce que ces trois composants ont permis à survivre notre peuple. Parce que on le sait bien que même ceux qui étaient rescapés du génocide ont été survécus souvent par l'aide des Arabes ou des Kurdes ou des certains Turcs qui les ont sauvés. Bon, il y en a certains qui ont devenu, ils ont perdu leur identité arménienne, mais d'autres sont restés quand même en vie, et tout en restant arménien. Et on sait aussi bien que dans cette période-là, il y avait aussi la grande participation, si on peut dire comme ça, à certains intellectuels occidentaux, accompagnant et indignation des intellectuels occidentaux à ces événements. Je veux juste rappeler que 24 avril, Komitas se trouve à Constantinople. Il est arrêté en même temps que 2500 intellectuels arméniens. Et Komitas est déporté et torturé à en perdre la raison. Mais l'émotion soulevée dans les milieux internationaux par sa disparition l'arrache à ses bourreaux. Donc c'est quand même quelque chose. Parce que je sais que dans les signataires, il y avait par exemple Claude Debussy. Et de cette pétition pour le gouvernement français qui a quand même fait une note. Pour sauver Komitas spécifiquement. Oui. Pour sauver Komitas spécifiquement. Et donc, comme le génocide s'inscrit dans la Première Guerre mondiale, donc je me suis dit que ce serait bien qu'on fait appel au compositeur qui était vivant à cette période-là. Bien sûr, il y avait le choix de musique au départ. Mon premier choix, c'était musical, parce que musicalement, il fallait quelque chose qui tient, et quelque chose qui soit complètement inscrit dans cette lignée. Parce que la musique, c'est symbole, mais c'est aussi un message. Donc, je me suis dit que, et pourquoi pas Benjamin Britten. Parce que même loin des batailles militaires, parce qu'il avait 2 ans quand le génocide est survenu, donc il ne pouvait pas le savoir. Mais un enfant, il est forcément touché quelque part par un grand événement comme ça, même si il est chez lui, bon, voilà. Et à 21 ans, quand il a commencé à composer, et il a écrit son quatrième opus, donc quatrième œuvre, qui s'appelle Simple Symphonie. Et de lui-même, il écrit qu'il a utilisé dedans tous ses thèmes comme enfant, même 4-5 ans, il les a inscrits. Donc c'était un souvenir de son enfance, et de ses impressions. Et dans son autobiographie, il en parle de la Première Guerre. Il en parle de quelque chose de très sournois, qu'il a toujours gardé en lui. Ensuite, il y a Ottorino Respighi, qui était en Italie, c'est un Italien, qui était déjà un jeune compositeur
moment-là, qui devait avoir une trentaine d'années. Au moment de la guerre. Oui. Et donc, en 1914, il a écrit donc cette petite poémette lyrique pour voix et piano, qui s'appelle « Ultramonto ». Ultramonto, ça veut dire « coucher de soleil ». Je pense que déjà symboliquement, « coucher de soleil » pour nous, ça voudrait dire quelque chose, parce que c'est, voilà, en 1915, pour nous, c'était exactement ça, « coucher de soleil ». Et la, l'histoire de cet homme-là, dans, dedans, donc, il y a une femme et un jeune homme qui s'aiment, et un jour le matin, le jeune homme se trouve mort, brutalement. Et toute la vie, elle a vécu avec ce sentiment d'avoir perdu, et elle ne s'est jamais remariée, avoir perdu quelqu'un de très cher. Donc je trouvais que c'était, voilà, c'était fort de symbole pour nous aussi. Et je sais que Respighi, qui a connu les Arméniens dans son entourage, et il a connu cette histoire de génocide, il a dit, je veux absolument écrire quelque chose pour les Arméniens. Et donc, il a utilisé des poèmes de Constant Zarian pour écrire quelques mélodies arméniennes. Donc, pour moi, c'était une partie qui était importante. Donc, le monde qui nous regarde, qui nous compatit. Bon, évidemment, Comitas, c'était incontournable. C'est le symbole même du génocide du peuple arménien. Donc, il fallait faire Comitas. Et voilà. Donc, ces compositions symboliques que je pense que qui va trouver un chemin. Pour moi, ce qui est important, c'est que tout tient. Il ne s'agit pas de faire un requiem de Verdi ou de Mozart ou de je ne sais pas qui. Voilà, ok, pourquoi pas. Mais il s'agit de faire quelque chose qui soit vraiment... En tout cas, vous, à votre tour, vous donnez un sens à ces œuvres et vous les liez à l'histoire du génocide pour en sortir, détecter, voir... quelques éléments qui, même si vous parlez d'histoire d'amour, mais cette histoire de la perte de son bien-aimé, c'est l'histoire de toute une famille. Ça peut être des enfants, des parents, mais aussi c'est des histoires de vrais amours cachés à cause de ce génocide. Il y a la vraie vie. Et souvent, quand on parle de génocide, on oublie ce facteur ou ces sentiments humains. On parle que de destruction, de massacre. On parle des choses de manière collective, mais on oublie qu'il y a là-dedans des histoires personnelles très lourdes et que les gens ont pu supporter et amener avec eux toute une vie. Justement, quand on parlera des expositions, nous avons essayé de créer quelque chose pour donner la parole aussi à ceux, tout simple, qui racontent l'histoire de vie de leurs grands-parents, où on a perdu une sœur, un frère, une mère, un père, etc. etc. Parlons des expositions, mais terminons quand même pour signaler que c'est le quintet Naïli, il faut le nommer, et vous serez avec Anna Maïlian, que nous avons reçue hier à FFM pour parler de son, elle sera avec nous, grande interprète qui va vous accompagner. Ça me permet de rajouter que c'est un ensemble, comme dit Raïtafian, parce qu'il y a, il va y avoir une création lumière. La MCA s'est entourée d'un spécialiste lumière qui a créé une lumière, qui a créé des lumières spécialement pour cette soirée. Et d'autre part, nous avons, il faut que je donne son nom, parce que quand même, où est-ce qu'il est ? Antonio de Caravalos, qui est un professionnel de la lumière. Et nous avons aussi la participation professionnelle de Christian Ajamian, qui va, lui, a fait de la création image, puisqu'il y aura des images qui seront projetées pendant le concert. Et il a fait la création de ce... Donc c'est un tout, c'est-à-dire que naturellement la musique, avant toute chose, comme a dit le grand auteur, la musique par la voix aussi, mais il y a aussi, c'est tout un contexte qui va être créé pour l'occasion. Alors, comment font nos auditeurs pour réserver leur place? Comment ça se passe? Alors, ils téléphonent à la Maison de la Culture arménienne, nous y serons à partir de 2h, les billets sont en vente déjà depuis une semaine. Les places n'étant pas numérotées, dès qu'ils ont leur billet, ils viennent, ils s'installent sans aucun problème. Le soir du concert, parce qu'il y a une personne qui va venir de Colmar quand même, hein, donc le soir du concert,
Il sera tout à fait possible. Il y a encore beaucoup, beaucoup de billets à vendre. Hein. Alors, chers auditeurs, voilà, ne loupez pas cette occasion unique, parce que c'est un concert unique. Hein, c'est un concert unique à Alfortville et dans une salle prestigieuse. Et là, nous ne remercierons jamais assez la municipalité et la direction du pôle de nous avoir exceptionnellement, parce que cette salle, c'est vraiment 1915-2015 qui nous vaut ça, parce que c'est un concert unique qu'on ne reverra pas une deuxième fois. Hein, donc 01 43 76 55 89 d'une part, et le soir du concert, toujours au pôle culturel, à partir de 20h, la billetterie sera ouverte et ils peuvent tout à fait tourner. Naturellement, nous allons, j'espère, avoir de nombreux invités, n'est-ce pas, monsieur René Rouquet? Avec plaisir. Merci. Alors, parlons des expositions de Jean-Pierre Séfferian, Le Désert, parlons du mur de la mémoire, parlons de Valentin de Dermenin, des photographies, et la rafle du 24 avril 1915. Voilà, nous avons décidé cette année, comme nous avions une très grande salle, de donner la place. C'est vraiment un festival des écritures, hein. Je m'excuse de reprendre ça au pôle culturel, mais l'écriture, c'est aussi le dessin, c'est aussi la peinture, c'est aussi... Donc, il y a Jean-Pierre Séfferian, qui est un grand ami de la Maison de la Culture Arménienne, mais c'est surtout qu'il est un grand peintre, un grand graphiste, mais qui a une belle âme. Et que nous étions allés chez lui et on a vu son triptyque qui s'appelle Le Désert, qui est absolument magistral. Et quand on lui a dit « Jean-Pierre, accepterais-tu » Il expose dans des grandes galeries, ce monsieur, hein, il est à Alfortville. Accepterais-tu d'exposer dans le cadre du salon? Il a accepté tout de suite. Donc on pourra le voir là. Je terminerai par le mur de la mémoire après. Valentin Derounian, photographe, bah, tout le monde connaît ses photographies, moi j'espère. C'est un homme extraordinaire qui a photographe du Proche-Orient, qui a eu l'intelligence de photographier les camps de réfugiés d'Alep. Donc c'est tout à fait dans le... Et il y a un livre magnifique qui a été publié et nous avons décidé de faire une exposition à partir de ces photographies. Donc il n'y aura pas toutes, hein, bien sûr, c'est la deuxième exposition. La troisième, c'est ce que nous avons appelé ça la Ralph du 24 avril. C'est, vous savez, tout le monde connaît cette grande photo où il y a des dizaines et des dizaines de portraits. D'ailleurs, Raïk Tatien vient de nous parler de ses arrestations le 24 avril, dont était victime également. Voilà. Donc, il y a un personnage qui s'appelle Théotique, enfin, qu'on cite d'ailleurs. Et alors, cette photo, je vais peut-être la montrer à Internet, hein, voilà, va être tirée. A été tirée sur un grand calicot, on va appeler ça comme ça, une grande bâche de 3 mètres sur 2 mètres et demi, et va être exposée aussi au salon. Vous dévoilez trop. Pardon ? Vous dévoilez trop. Pour cette occasion, je tiens à remercier M. Hrant Kasparian de la Fondation Ranting qui nous a donné ces photos. Et la dernière, alors justement, la dernière, c'est une création MCA Croix-Bleue. Nous rendant compte que très souvent, que ce soit notre génération, mais la génération plus jeune encore, ne savait plus grand-chose sur l'histoire de vie de leur propre famille. Donc, nous avons l'idée de faire des petites fiches en disant nom, prénom, lieu de naissance. J'ai donné par exemple ma grand-mère, donc Charles Grapien, à Ravni, né en 1902. Ou à Chabin Karaïsaj, c'est son lieu de naissance. Que lui est-il arrivé en 1915? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Où est-elle allée après? Voilà, c'est très succinct et on répond à toutes ces questions. Et nous avons distribué ça, c'était dans les réunions Croix-Bleue, à la MCA, et nous avons recueilli comme ça, à l'heure actuelle, ça va être interactif, hein, 20 témoignages, que nous allons présenter sous forme de fiches, que nous allons exposer. Donc, à la lecture de cela, vous vous rendez compte que il y a l'horreur, mais de toute façon, ça se termine bien, puisqu'il y a un rescapé, et que c'est la descendance de ce rescapé-là qui raconte. Mais beaucoup ont eu des difficultés, on ne savait plus le prénom, on ne savait plus d'où il était, on savait ce qui s'était passé après
mais le pendant. Donc c'est tout ça. Là, on va proposer aux personnes qui vont venir au salon de participer à cette exposition interactive, et puis pourquoi pas en faire quelque chose après, je ne sais pas quoi. Alors, nous avons fait, je pense, le tour de cette 10e édition d'Armée le Livre, avec, évidemment, on a parlé de livres, assez étonnant quand même, 1000 titres présents à ce salon, et toutes les festivités autour, et les programmes éducatifs, les conférences, les expositions. N'oublions pas que ça s'inscrit dans le cadre de l'année 2015, donc le centenaire du génocide arménien. Il faut juste rappeler que Alfortville aura un programme très riche et chargé en cette année 2015. Nous aurons l'occasion de parler de toutes les programmations, pas seulement d'Alfortville, mais en tout cas, j'ai une liste sous les mains qui peut-être plus d'une dizaine, voire une quinzaine d'événements cette année pour parler du génocide arménien à Alfortville même. Merci René Rouquet pour cette participation, pour tout ce que vous faites. Merci à Sonia Kévonian pour le travail avec toute l'équipe, Sophia Gopian de la Maison d'Agriculture. C'est la Maison d'Agriculture arménienne, voilà. C'est nominatif. Avec Taftian, merci d'être là et on vous attend. Donc c'est mardi. Hein, on vous attend avec Taftian. 3 mars, donc Sonia Kévonian l'a dit. N'oubliez pas d'appeler la MCA pour remplir cette salle et vraiment profiter de cette soirée exceptionnelle. Avec, si c'est possible, l'éclairage, pas seulement les lumières, mais les textes que Aïk nous a, la présentation qu'il a faite, parce que c'est important de savoir à travers chaque morceau cette explication, cette présentation. Alors, moi, j'ai été très intéressé par ce que... Et ça donne un autre sens au concert. Voilà. Oui, alors parce qu'on est bien sûr sur le centenaire et sur la douleur. C'est important. Oui, j'ai oublié quelque chose. Pourquoi ça reste ici? On est d'accord, il faut le propager. Non, mais dans le programme, dans la programmation même, vous allez entendre de la langue arménienne, puisqu'il va y avoir des récitants. En langue arménienne et en langue française. Hein, j'ai oublié de le dire. Et d'autre part, à part le quintet, il y aura aussi des instruments traditionnels de musiciens. Donc vous voyez, c'est vraiment un ensemble qui complète la présentation faite par le maestro. Bon, soyez présents du 4 au 8 mars à toutes les manifestations dans le cadre d'Armée Libre à Alfortville, cette 10e édition. Et nous aurons l'occasion de vous revoir à SMIC au-delà des émissions de la MCA chaque mercredi l'année prochaine pour la 11e édition. On verra. Merci beaucoup à vous tous et à la semaine prochaine. Merci. Proposé par Hype FM.